Tendez à quoi c'est deux. L'USPNA 17, qui est représentant, c'est Jean-Paul Joël Derlundi et Domon Saint-Cyr, sollicité service cabinet et d'avocat sous firme, juste pour déposer une plainte avec constitution de partie civile contre les membres du CSPN, à savoir Ariel Henry, Emily Prophète, ministre intérieur, directeur général de la police et tout le monde qui constituait, qui composait ces SPN. Pour qui ça? SPN a 17 composé de policiers. Et nous passons à savoir que durant ces deux dernières semaines, plus de 15 policiers sont passés de vie à trépas. Ils ont tué, ils ont assassiné. C'est des policiers qui sont morts durant des opérations. C'est des policiers qui mourent pendant que tu traqué bandit. Mais malheureusement, à travers voice que nous tendions, nous voyons que les policiers ont passé plus de 2 heures de temps, ils ont sollicité des renforts. Maintenant, la question que s'est posée SPN 17, pourquoi ces autorités n'ont pas répondu aux appels de ces policiers? Là, ça a dérangé tout le monde parce qu'ils ont passé plus de 2 heures de temps à solliciter des renforts, des appuis. Malheureusement, les autorités concernées, à savoir le commissaire de Pétionville, Ariel Henry, etc., pas décidé pour des renforts à Mounsayo. Et bien, je veux dire là, face à ce constat alarmant, face à ce constat douloureux, les membres du SPNH, ont décidé de porter plainte. Et nous connaissons pas le dire, est-ce que c'est la dernière plainte, etc. Non. Parce que faut connaître que depuis qu'il y a une plainte qui est déposée contre tout, c'est-à-dire qu'il y a une épingle ou une épée d'Amoclès qui est dans le pied, quand même, qui est sous tête, ou bien une épingle qui est dans le pied. Eh bien, je veux dire là, là nous-mêmes, dans le niveau cabinet, nous déposer plainte là. Donc, ça veut dire que le doyen Chavannetienne, comme doyen de ce tribunal, n'aura pas d'autre choix que de désigner un juge d'instruction. Un juge d'instruction certifié, bien sûr, qui pourra faire le suivi parce que, un, monsieur Sayo n'a poursuivi, entendez bien, oui. Pour non-assistance à personne en danger. N'a poursuivre mon CSPN avec toute autorité qui pas de prendre décision pour non-assistance à personne en danger. Ça veut dire si mon n'était là, il était dans une situation difficile et que ou même ou t'as le pouvoir pour aider ou pas aider ou contribuer dans le mal indirectement. Eh bien la loi punit ça et me quoi c'est dans l'article 264 du code pénal. Maintenant deux, ces messieurs seront poursuivis pour association de malfaiteurs. Parce que, écoutez, tout le monde peut le dire, non-assistance à personne en danger, c'est une infraction correctionnelle qui punit entre 6 mois et 1 an. Vous savez, vous pouvez le dire, pourquoi ça ne pas saisir le tribunal correctionnel? Non, je dis que, puisque dans la plainte, nous parlons de association de malfaiteurs, donc là, c'est le cabinet d'instruction qui sera saisi directement. Et ça fait maintenant, là, nous déposer plainte. Là. Et greffier-en, on peut acheminer plainte par devant le cabinet, le greffe du cabinet, et puis vous pouvez acheminer le doyen, pour le doyen désigner un juge compétent et sérieux. Un juge qui peut prendre pression dans l'autorité CSPN, un juge qui peut prendre pression dans XYZ, mais un juge qui connaît que au moins une structure syndicale qui est CSPN 17 qui a décidé de bataille policier. Parce que lorsque les policiers prennent la rue, ils sont frustrés, ils sont énervés. Lorsque les policiers prennent la bataille, ils prennent l'opération et ils prennent des bandits qui sont plus en passé, ça énerve. Donc, dans ce sens, l'autorité hiérarchique, policière, judiciaire, puisque vous avez le pouvoir pour aider les policiers, ça n'est pas fait. Puisque vous avez le pouvoir pour tes renforts, pas pour tel, donc SPN 17 lui-même, qui composé de policiers également, décide pour tes plaintes et pour tes plaintes avec constitution de partie civile. Et base légale de Marsal, il chita sur l'article 50 code d'instruction criminelle. Donc c'est la raison ça qui fait cabinet advocatus, accompagné SPN 17, qui fait que je dis là, nous pour tes plaintes, et me penser, et le doyen n'a pas d'autre choix que de désigner dans les 24 heures qui suivront le dépôt de cette plainte, de désigner un juge
et le ça pour acheminer le côté pour acheminer et puis pour commencer à relayer Ariel parce que nul n'est au-dessus de la loi parce que nous pas d'accord que le policier n'a mouru, nous pas d'accord que le policier n'a victime parce que nous sommes société gain état de droit ou gain autorité dans monde sous pas qu'à utiliser autorité à de bonnes fins à toutes fins utiles ou bien à deux fins intéressantes qu'on démissionner. Donc je dis là n'a bataille dans l'intérêt des policiers, n'a bataille dans l'intérêt du peuple haïtien. Et fond connaît que nous même au niveau cabinet nous là pour nous accompagner ça puis fait bio ça pas gain moyen ça dans situation difficile et c'est ça qui fait commencer par espérer 17. Okay. Merci. D à quoi c'est deux.